Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Wildstar. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul puisque je suis accompagné d'Alpha, ici que vous le voyez. Oh, magnifique synchro avec le salut de la main. Alpha Casse, comment vas-tu, mon petit Alpha? Ah, ça va très très bien et toi, Xel? Bah, ça va bien pour l'instant. Donc, nous allons faire la première aventure et je vérifie bien. Ah, ouais, ils sont bien diminués au niveau 15, c'est parfait. Donc, on va parler et ils sont en train de faire les morts. Nous allons parler à ce monsieur. Nous y sommes, agents, nous voici à l'Astrobagne. Comme vous le savez, cette prison abrite certains de nos criminels de guerre les plus dangereux. La situation est plus ou moins contenue, mais elle se détériore très vite. Allez voir le surveillant Radman et aidez-le à résoudre rapidement cette situation. Donc, c'est une aventure, ne pas confondre avec les donjons ni les raids. C'est la première aventure accessible au niveau 15, le premier donjon sera accessible au niveau 20, et bien sûr, la difficulté des donjons sera bien supérieure. Donc, je vais y aller en mode tank pour une fois. Le joliment tankouné. Nous avons Gear, un abonné qui sera en heal médic. Nous avons Alpha Cast qui est en DPS avec ta classe qui est le Arcanero, bien entendu. Voilà, et nous avons GT Riders aussi qui est, je ne sais pas, c'est un choix donc on s'en fout un peu. Et sans Sushi, c'est également un choix donc on s'en fout un petit peu. Nous sommes transformés pour cette aventure et donc c'est parti, évitez les tireurs d'élite en vous mettant à l'abri dans les cercles bleus. Et oui, en tant que prisonnier, vous devez vous abriter, sinon vous allez vous faire sniper si vous restez un petit peu trop longtemps. Je vous montre vite fait au niveau de cette aventure. Par exemple, ici. Ah, lui, là, il vient de se faire sniper. Moi, regarde, tu vas mourir. Vous attendez, vous prenez un headshot, tout devient noir, vous entendez des voix étouffées, vous avez l'impression qu'on vous porte. Et on vous remet au point de départ et il faut recommencer à nouveau. Donc, ouais, maintenant, on va passer. Là, ça t'a TP carrément? Ouais, ça te remet juste à l'entrée en fait. D'accord. Alors, je vais passer dans le cercle et on va courir très très vite. Merde, je remarque un truc marrant, c'est que nos deux chouas sont ingénieurs en fait. Donc ils sont bien dans leur rôle, tu vois, ils ont bien pris la classe RP. Il faut savoir que l'aventure, contrairement au donjon, vous allez pouvoir choisir... Bon, ça se tente en une traite ça. Vous allez pouvoir choisir en fait plusieurs voies. Au bout d'un moment, il y a un PNJ qui va vous demander si vous voulez faire tel choix. Par exemple, on va simplifier, aller à droite, aller à gauche ou aller tout droit. Et ça va influer votre aventure puisque vous n'allez pas faire les mêmes épreuves entre guillemets. Oh shit, ce réflexe à la fin. Celui-là vous la verrez en vidéo, elle était beau. On attendait qui? On attendait Xeleco. On attendait le patron, c'est normal. Ah ouais, bah oui. Bah en même temps je suis le temps, donc c'est un peu vrai. C'est moi qui commande. Sans toi ça va être compliqué. En mode rush de donjon. Il connaît Sansou, il a déjà fait Sansou le... Sansou, il a déjà fait 28 fois. Voilà. Ah, c'est ça, nous sommes rentrés. Enfin, façon de parler. Jara compte libérer Vadim, mais les autres espèrent impossible, il n'a pas les codes d'accès. Même s'il les avait, aucun d'eux ne pourrait quitter ce caillou. Garde du vide intersidéral. Appelle à tous les gardiens, les prisonniers, nos zigouillés, nos tireurs d'élite se font la malle par la cour. D'accord. Ah ouais, ils sont en train de se faire la malle, ici. Bande d'incompétents. Est-ce que c'est si difficile de maîtriser des détenus sans protection? Je sais bien que ce sont les criminels les plus violents de Nexus, mais quand même. Quand même. Donc on ne peut toujours pas sortir pour l'instant. Faut pas déconner. Voilà. Ah, donc un choix. Sécuriser l'Astrobagne, nous avons 40 secondes pour faire un choix. Soit on peut aller décider de faire une course à l'armement. De nombreuses armes de garde ont été laissées sans protection. Faut qu'on s'en débarrasse rapidement. Soit de la géologie et de la félonie. Certains des prisonniers sont entrés dans la mine de Brise Roche et tentent de forcer les cabanes à outils. Ou le stockage à froid. Moi, je vais voter la géologie de la félonie parce que ça sonne bien. La course à la maman, gagnant avec 3 votes. Bande du coup, personne n'a voté pour toi. Bonne de chacal. J'ai envie de vous dire. Donc, c'est la course à l'armement. Donc, on doit ramasser. Si j'ai bien compris, on va tout ramasser. Donc, c'est moi qui tank, excusez-moi, j'ai oublié un petit peu. Allons-y. Yes. Allons-y gaiement. Et un petit stun de groupe, c'est parfait. Ah ouais, on les clean. Ah ouais, on les clean plus vite que quand je l'avais fait avec, avec Monsieur Derive, celui-là. Bah, en même temps, je suis un petit peu là, quoi, tu vois. Je pense surtout que c'est des gros levels avec nous, ils ont du bon stuff. On arme les machines. On se lance à l'attaque. J'ai pas trop capté en fait. Faire exploser les caisses d'armes. On fait exploser les caisses d'armes. Voilà. On appuie au bon moment. Ah ouais, bande de chacal. Vous tankerez pas comme ça en haut level là. Donc laissez les tanks faire. Ah, mais le tank prend trop son temps pour pull les mobs. Ah non, mais je fais votre boulot là. J'ouvre les caisses et tout.
Mais viens, on le fait, qu'est-ce qu'une MP. Il faut savoir que dans cette posture, je monte quand même la peau nano évasive. J'augmente mes chances d'esquive de 10%, les résistances de 10% et la génération de menaces de 200%. Et avec mon autre auto-attaque, c'est un petit peu intéressant parce que je fais également 120% de dégâts en plus. Je prends le pack de mobs, vous inquiétez pas. Oh là là, cette gestion. Voilà, cette gestion de l'aggro exceptionnelle. On sent que j'ai fait tant que toute ma vie. Ah bah oui, bien ça sûr. Ça dure depuis 10 minutes. Je te jure, j'ai jamais joué tant dans un MMO. Et moi, c'est marrant parce qu'on m'a foutu healer sur ce donjon en premier. J'avais jamais joué healer de ma vie non plus. Mais c'est ça qui est bien, c'est que tu peux te souper un peu comme tu veux. Quoi. Un petit peu les machins parce que les gros carrés verts, ça m'énerve, moi. Je sais même plus dans quoi on va. C'est pas là-dedans. Interface. Ah, apparemment, les racks, là, ça sert à rien de les prendre. Combat. Ah, voilà, opacité personnelle, ça me va. D'ailleurs, pourquoi ça a été reset, ce truc-là? Opacité des dégâts ennemis, opacité des soins alliés, opacité des alliés soins. T'as le groupe pendant ce temps, mais qu'est-ce qu'il fout? Ah, attendez, il est en train de régler il est en train de régler son affichage. Allez, ouais, c'est bon. Il prend deux petites heures, et puis on est reparti. Allez. Alors, attends, on doit aller par où, maintenant? Je sais pas. Hein. Je sais pas, on continue. Réprimer l'émeute dans l'astrobagne. C'est peut-être par là, tiens, on va sortir dehors. Vous me suivez? Qui est même? Ah, il y a son sushi qui dit viendez. Mais attends, mais il est où? Mais il est où? Attendez, attends, je crois qu'on a perdu. Ah non, il est là. Ah, mais ouais. Je crois que c'est pas par là qu'il faut aller. Il faut le suivre en fait. D'accord, heureusement, on a super sans merde. Sous. On sans a. Quoi... on a pull des mobs. Enfin, c'est toi. C'est toi qui les a, gros! Bah, c'est normal, c'est un peu mon job. Tu vois, c'est ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est... Je m'en fous d'aggro des mobs. C'est l'excuse du pauvre. C'est ça. Allez, mec, suivre. Fais gaffe, t'as aggro des mobs. On s'en fout, je suis le tank, c'est normal. Je suis tank, c'est normal. Leroy Jenkins en a tapé. C'est ça. Mini Leroy. Mini Leroy. C'est un peu long, du coup, à dire. C'est ça. C'est un peu plus long. Ah, c'est par là, en fait. D'accord. D'accord, heureusement, parce que moi, on serait parti faire un clean complet de l'instance. Certes, attention. Ah, on aurait tout vu, quoi. Ouais, voilà, on aurait tout vu, on aurait un petit peu tous les mobs. Non, on va rusher en fait. Et Gear qui vient d'aggro. Nez. Je suis là. Ah ouais, non, mais là. Voilà, il est joli, il y a plein de couleurs. Je suis en train de spam mon AOE. Attention, il y a un mob de plus qui a été pris. Je vais le pull. Putain, il est en train de se mettre un bouclier de fou en plus. Hey, Axel, tu prends cher, mec. Je sais que je prends cher. Faut les DPS, les gars. Tombez-les. Ouais, si je te mets un bouclier. Si vous les tombez pas, ouais. Moi c'est pas mon rôle hein, de DPS. Allez, il a reset. What the fuck? D'où c'est moi qui est aggro, n'importe quoi. Le truc a reset, il est sur moi. C'est bon, on l'a clean. Ouah, je me suis fait. Ouah, je me suis pris un méga stun, je l'avais pas vu celui-là. Ouais, j'ai renversé. Il y a encore plein d'aggro là. Trop cher, comment ça se fait qu'on aggro autant? Ouais, je sais pas. Je suis mort. Merde! C'est Bagdad, c'est la panique. Ah non mais c'est bon, on va gérer en fait. En fait. C'est bon. Tout va bien. Qui a gros temps, c'est un truc de ouf. Je sais pas. Il y avait tout le temps des aggros. Ouais, j'ai eu un aggro en fait d'un mob qui était en train de nous taper. Ah attends, on peut trivail? Ouais, vous pouvez. Ouais. Ah ouais, c'est cool ça. Oh non, t'es sérieux, j'ai aggro encore? Ah mais il respawn en boucle. Punaise, c'est relou. C'est pour ça en fait. C'est qu'ils ont respawn en boucle et nous on était mal bah, placés. Bah, s'il y en a qui peut me raise quoi, vous voulez pas vous mettre à 4 sur un mob, s'il vous plaît. Ouais, je te reste. S'il vous plaît. Tiens bon. Mais punaise. Mais. Bah, mettez-le de côté, ah, sur voilà. La zone. C'est bon. Tiens bon. On va te sortir de là, on va te ramener à la maison. Mais bordel, je me suis fait un putain. Il y a des télégraphes partout. C'est. Attends. C'est la misère sexuelle. Attends. C'est trop galère. Je vais cliquer sur Kiki Instance, hein. Je crois que tu peux, là. Non, mais c'est super gonflant parce qu'il y a un pack de mobs qui fait des télégraphes, mais énorme. Allez. Mais, ah sans... C'est gonflant parce qu'en fait, mon perso, j'ai l'impression qu'il est en permanence en mode combat. Non, mais à la limite, si y en avait un qui allait de l'autre côté pour retourner leur télégraphe, en fait, vous voyez c'est oui, bah, oui, mais les gens, ils ont pas l'air de vouloir comprendre ça. Mais arrêtez de spectrer. C'est con. C'est votre premier mémo les gars ou quoi? Ça n'a aucun sens. Mais non, mais les autres ils comprennent pas qu'il faut pull les mauvais ailleurs pendant que je te revive. Allez, laissez-moi le revive. Il reste 5 secondes.
On va peut-être y arriver. Le revive de Xel. Oui. Il a été revive. Il est revenu, bon, l'enfant Jésus. Je pense qu'on est quand même les seuls boulets à avoir un meurtre dans... Je me sors dehors, je sais pas où faut aller, moi. C'est totalement nul. On va refaire cette vidéo. C'était tellement pourri. Allez, on enchaîne. Il est où, Sansou? On a encore perdu le choix, quoi. Mais il est tout seul, il est où? Qu'est-ce qu'il est? Il est où? Il est où? Bah, on sait pas. Attends. Merde. Ah, si, il est là-bas. Non, faut pas aller par là, en fait, c'est ça? Mais. What? Mais où il est? Ah, il est là, il est là, il est là, il est là. Faut le suivre. Faut suivre le guide. Mais on en vient de là? Non, non, non. Ah, si. Bah, si. Ah, mais il y avait une quête, peut-être, qu'on vient de faire pour lui. D'accord. Ah, mais oui, c'est ça. Ok, d'accord. Mais pourquoi on était dans l'autre truc alors? Voilà, vous avez pris une quête de merde. Je suis désolé. Stand de tir. Là, tu fais boulet. La vidéo dit n'importe quoi. Les boulets de l'infini. C'est pas possible. Oh, je pense que je vais la nommer les boulets de l'infini. Cette ah ouais, là, elle est pas mal. Stand de tir. Moi, j'ai pris stand de tir. Brisé ou dans la cour. Eh ben moi je prends dans la cour. On va en extérieur parce que là je me pomme à l'intérieur. Vas-y, te pomme. Gagnant. Voilà, je suis gagnant. Qu'est-ce que c'est ça? Mais il nous donne des trucs à faire, on ne sait pas à quoi ça sert. Alors attention. Je l'ai fait en tout cas. Réprimer les meutes, sauver les gardes submergés. D'accord, ça y est, j'ai compris. En fait, je cliquais pas sur la bonne quête. J'ai entendu un boum, un bruit d'agro. J'aime pas ça. Attendez, y'a les. Cours, quand c'est comme ça. Ok. En fait, faut activer toutes les consoles, c'est ça? Je sais pas, moi je suis toujours à 0 sur 9, donc tout ce que je sais, c'est que je vais aller dans le meute là, comme ça. Et puis de toute façon, si je meurs, c'est la faute des healers. Bien sûr. Ah, c'est pour ça que j'aime bien jouer DPS dans les MMO. J'ai de la faute des DPS. Ah bah si, hein, si, quand le monde. Dis-moi un beau level. Ah, petit level. Ouais, petit level. Sauver les gardes submergés, d'accord. Attends, mais on il a. Il est submergé, lui, on va l'aider. Ah, il est submergé, ouais. Il est submergé, ils sont un. Ils sont un, chef. Ils sont deux. Deux contre un. Ils sont deux, attention, il est submergé. Non, c'est vrai, il est submergé, faut pas déconner. On attaque ici. Ils ont des boucliers de ouf, par contre. Ah, ouais, mais c'est des espères, ça, non? Ouais, j'ai l'impression que c'est des espères. Ça ne m'étonnerait pas que c'est des espères. Que ce soit les espères. J'ai même envie de dire que c'est nous qui sommes désespérants. Là tu peux rajouter un petit baloumchi. Ça sera parfait. Ouah, je vais voler, attention. Il y en a du télégraphe là. Ça bombarde sévère en même temps en fait. Je sais pas qu'est-ce qui nous tire dessus. On est 4 sur 9 mais je ne sais pas où on doit aller maintenant. Vous voyez, on est un petit peu sorti. Attends, on va suivre son arrière. Heureusement qu'on a un guide, hein, parce que t'imagines, mec, on est que ah, mais ça fou. Fait la première instance, une heure et demie, quoi. Une heure et demie, voilà la vidéo d'une heure. On a tout clean, alors... les mecs. Non, même pas au bout d'une heure et demie, on serait dans la même salle avec du pop en boucle. C'est ça, on comprendrait pas ce qu'il faut faire. Non, ce serait 3 heures d'instance. Là, je crois que l'instance, elle se finit en une heure, un truc comme ça. Je sais pas exactement. Bon, on avait un peu galéré sur un boss à un moment. Donc, je me dis, si on a galéré, nous, avec notre groupe de gens qui savaient à peu près ce qu'on faisait avec ce groupe là, ça va être beau. Bon, ce garde là il dit qu'il est dépassé, mais il était un petit peu tout seul, mais je ne sais pas à quoi ça sert. C'est interface de suppression de prisonniers, ça c'est un peu bourrin comme ah bah ça remet, ça repop comme ça. Ah, c'est pour les galériens comme nous en fait, ils disent les mecs qui comprennent pas qu'il faut pas appuyer dessus. Moi, je sais pas, non. Okay. J'arrive pas à loot, moi. Je sais pas si c'est toi. Détenu de l'aile de l'autre sécurité. Attends, faut suivre Sansou. Il est où, Sansou? Il est où? Sansou, il est là. Redescend. Faut lui mettre un symbole. Ouais, ça aurait bien joué. Le symbole, marque spécifique. Grille-pain. Moi, j'ai mis un grille-pain. Il aura le petit cochon. Comment t'as des grille-pains? Je l'ai pas, le quoi. Ah oui, il y a un grille-pain. C'est en DLC. C'est le mec. C'est en DLC. C'est un DLC. DLC grille-pain. 15€ DLC cuisine. Voilà. C'est pour apprendre le métier. Avec un bonus, le skin de Hayden Pierce dans Watch Dogs. Voilà. C'est le truc. Le mec il mélange tout.
Ça rappellerait un petit peu le... On n'y arrive pas. Aïe, il y en a un là-haut. J'arrive. Ouais, ok, je suis un petit peu à la ramasse, mais quand même. Voilà. Ah, ok. On les a trouvés. Mais je pense qu'on est un petit peu sorti trop vite de dehors, non? Mais non, pas du tout. Mais tant que Sansu nous suit et nous dit pas « Bande de glands, ça va par là !» On est bon. Ça, j'aime pas ce skill, je trouve qu'il sert jamais à rien. Lequel? Bah, le nano-champ. C'est pas un snare de zone? Non, c'est censé faire des dégâts autour de moi et me heal. Ah, c'est quoi ça? Armure légère, on peut pas faire besoin. Il y a pas de ninja dans ce jeu, c'est bien. Ah, moi je peux. Et du coup, je l'ai pris. T'es en léger. Parler au professeur Bouton d'Or. C'est vrai que c'est son nom, j'ai pas lu là. Ouais, faut refaire le tour, je pense. Professeur Bouton d'Or, c'est quand même la classe. Hein. Ah oui, Bouton d'Or, putain. Let's go, Bouton d'Or. T'imagines le mec à l'école, genre. Hey, Bouton d'Or! Ouah, qui c'est qui pousse tout derrière la vache, le fou là, alors là, le pou de l'infini. Je me quitte de ça, mais quand même! Hop, je me relève, un petit renversement, c'est pas grave. Ah, j'ai pris cher. Ah, je suis deux renversements là. Mais notre healer, il est spé-heal ou pas? Je sais même pas si. Si, voilà. Ouais. Okay. Attention, vous êtes tous sur un télégraphe. C'est bon. Ok, on suit. À... Non. D'accord. Tu veux pas suivre le guide? Là, faut monter là-haut, quoi. Faut rentrer dedans, là. Ouais. C'est costaud, lui. Ouais. Faire tomber, toi, espère de merde. Attention, c'est un prisonnier équipé de gadgets. C'est le rôle des rôdeurs, ça. Oh purée, c'est encore cool derrière, sans sous là. Oh là, ça pue tout derrière. Ah la vache, ah oui, c'est violent. Allez, on les DPS. Yes, mais c'est quoi ces spawns à l'infini là? Fais gaffe, tu vas mourir. Ah ouais, mais c'est Will de me soigner là. Moi j'ai esquivé les télégraphes. Ah, je t'ai soigné. In extremis. Oh, t'es mort. Oh putain, on va mourir là. Ça a un gros sec derrière aussi là, sans souci. Mais ouais, mais y a je sais pas combien de mobs là, c'est tellement la. C'est la merde. Avancez, courez comme sans souci il fait. On va susciter l'autocrip le plus proche. Pour des prisonniers équipés de gadgets. What the fuck, mourrez tous en fait, c'est bon, j'ai spawn juste à côté du professeur Bouton d'Or. En fait, faut se suicider pour avancer dans cet instant. Non mais on a vraiment en mode boulet, c'est quoi le truc de ouf? Comment ça se fait? Mais quand je l'ai fait, j'ai pas galéré, il y avait pas autant de spawn de mobs. Mais moi c'est pareil, c'est trop bizarre. On va dire ça, hein. Ça fait mieux pour la vidéo. Non mais il y avait pas autant de... Non mais je suis d'accord avec toi, ouais. Moi non plus, j'avais pas autant. Je viens vous chercher. Ça fait bien, tu sais. Bougez pas, les gars, je viens vous chercher. Je viens de mourir, je viens de vous chercher. C'est l'inverse. Oh la vache! Ah, je vais certainement décéder là. Ah. Eh non, regardez qui c'est qui arrive. C'est le padre! El padre qui arrive! Bah, moi je vais voir Bouton d'Or, hein. J'ai pris trop cher. Salut! Et voilà, c'est bon. Là, je vous regarde. Allez, on avance là. Moi je participe avec les yeux. Allez, go. Par l'alpha. Oui, mais j'arrive. Mais le soigneur il s'en fout de moi, total. Non, c'est pas grave. Mais il est où s'en sous là? Ah, il est là. Ok. Professeur Bouton d'Or, il est là. Ah, enfin, professeur Bouton d'Or. Finalement, c'était pas à l'extérieur. Hein? What? Ah punaise! Elle a failli me buter! C'est chaud! Ouah, y'a tous les robots qui arrivent! Ah oui, ouah, c'est le boss! Go! Ouais, c'est un boss ça! Elle les aide là! Butez les DPS là! Alpha, Ouais, je vais dessus, excuse-moi. Les filles
Saleté d'orine. Les orines, de toute façon, faut pas leur faire confiance. C'est de la sale race. Les orines, c'est une race. C'est bien positionné pour du DPS. Ah ouais, là, c'est violent. C'est comme les Zélines dans Terra, les orines. Oh, ce que je prends cher. Guir, il galère avec son médic. Elle est pas difficile à tuer, cette boss, par rapport à la boss qu'on avait fait, nous. Enfin, au boss. C'était une sorte de tank qui avait plein de spawns, en fait, de prisonniers. C'est un peu d'horreur. Allez, on la tue. Tu avais la. Tu amplifies du réparateur. Oh, c'est pour moi ça. Esquive. Ah non, c'est pour moi. J'ai fait nid à chaque fois. À chaque fois que j'ai eu un truc, c'est le ninja loot. Oh la vache, c'est toi qui l'as eu en plus, salaud. Ouais. 85. Ouais, de toute façon, jamais de chance, t'as tué 18, n'importe quoi. Ah, on est en bon, ninja, dépêche-toi, on t'attend. Oui, ça va. Alors, dément, c'est démolition, objectif secret. Attends, lisons. La plateforme d'atterrissage est attaquée. Si les prisonniers réussissent à passer la grille de défense et à contacter un vaisseau, il sera impossible de les arrêter. Objectif secret, les prisonniers essaient d'accéder à la salle des commandes principale, le centre névralgique de l'Astrobal. S'ils y entrent, ils pourraient provoquer des dégâts sans précédent. Voilà, si vous avez préféré la lecture d'Alpha Tapé 1... On va faire des concours comme ça. Si vous avez préféré la lecture de Vous et les couilles, tapez 2. Tu sais, on va faire jusqu'au bout de la nuit mes versions vidéo. Les mecs, ils lisent des quêtes. Merde, je suis le seul à avoir voté pour Objectif Secret. Merde. Bon, en attendant 5 de plus, se rassembler à la porte du VAC. Ok, on va à la porte du VAC. En fait, je cliquais pas sur la bonne quête, je cliquais toujours sur réprimer l'émeute dans l'astrobagne. Et du coup, ça donnait rien, quoi. Et en fait, il y a une quête. Je sais pas pourquoi je l'ai pas vue. Je ne sais pas. Moi, j'ai le mec qui passe en fufu, en fait, il se barre. Je nous ai perdu, vous êtes fous. J'étais en train de sortir, on attend à gauche. D'accord. Ah, ouah, c'est quoi tous ces. C'était joli ça. Il y a des flammes bleues, c'est là, j'imagine que c'est là. C'est quoi sa vie? Ah ouais, j'avoue que sa vie, elle est... Non, ils sont deux en fait. Il y a deux mobs. Ouais, il y a deux mobs, ah ouais, c'est pour ça. Mobs. J'avoue que c'était bugué. Oui, c'était pas normal. C'est okay, la vie passe. Un peu épileptique, c'est genre... Non, je vous live, je suis mis live, c'est genre... Tu savais pas trop ce qu'il voulait faire, la ville. Allez, on avance. Oh, attendez le mana pour Gear. Ah, il a pas de. Ah oui, c'est vrai on qu'il y a besoin de. Pas les prisonniers. S'en vont. Faut suivre le toaster. Suivons le toaster. Ouais, je vais l'écrire. Suivons le. Toaster. Le Cylon. Pour tous les fans de Battlestar. T'as regardé Battlestar, Zell? Non, c'est quoi? Battlestar Galactica! Je ne connais pas! Faut quand je regarde c'est les 40 minutes sérieux. De gameplay de Zelda. C'est une série Battlestar Galactica. Ça déchire. Science-fiction et tout. Ah, si tu veux te préparer à Star Citizen, il faut que tu vois cette série. Attends, j'ai vu à l'E3 par contre, c'est vachement cool. Même le dogfight et tout, enfin les fights. Oh! On se mange des. Les fights sur No Man's Sky, je l'ai trouvé super beau. Ah ouais, il a l'air sympa. Ce qui m'intéresse ce jeu. Il a l'air sympa, mais j'ai peur qu'on soit déçu en fait, je sais pas pourquoi. J'ai peur qu'au final il soit pas si waouh. Je prends des kawata. J'ai peur en fait qu'il soit vachement répétitif en fait, pas toi? Mais en fait c'est tout à découvrir quoi. Ah ouais, mais j'ai l'impression que la manière, enfin... Le sentiment de découverte et tout, ça s'épuise un petit peu s'il n'y a pas assez d'action ou de trucs intéressants à faire sur les planètes. Bah, moi, c'est tellement cher. C'est un... Ah, attends, je tout un petit boubou. Voilà, comme ça, on a fini le combat. T'as besoin d'un boubou, d'un bouclier. On recule, les gars. Je prends trop cher. Abuse. Et sinon, pourquoi on a des vagues de mobs là Là, on doit protéger la porte du lac. En fait, faut qu'on les empêche de partir de la planète. Tac, si c'est pas un renversement groupé ça. Et là c'est du DPS de zone. Ah par contre je déteste jouer avec les ingés en fait. Je pense que je pourrai jamais dans mes groupes. Les médics et les ingés c'est ça. Oh c'est ce racisme des ingés. C'est pas gentil pour les ingés. Pourquoi t'aimes pas les ingés? Oh non, alors ils te flashent la gueule avec leur machin là. Ils te tassent.
Ils te tassent non-stop. Non, mais regarde ça, les éclairs, les flashs et... Non, pas de médic, je prendrais... Un médic, tu vas galérer si t'as pas de médic, hein. C'est bien pendant les gros. On espère. Ah, espère, ouais. Oh, il me sauve pas la vie. Et bien, il galère en fait à me heal. Parce que moi je fais des roulades et du coup il galère. C'est quoi cet aggro là? Moi je me fais aggro par des mobs là. Hein. J'ai un peu la chute, ton... j'en avais 8. Tu fais mal ton travail. T'en avais 8. Et alors? Qu'est-ce que c'est que cette plainte? Cette plainte ne s'appelle pas. Mais ouais, si j'en avais 8, c'est un petit peu la faute des DPS là. Et ça va passer là. Ça va pas, pas assez vite les gars. Ah, c'est chaud quand même. Un peu chaud. Ouais, peut-être faire gaffe. Ah, mais c'est dingue, hein. C'était pas aussi dur hein, la dernière fois que je l'ai fait. Ah, ouais, c'est bizarre. Ah, mais c'est là, déjà, on les prenait 3 par 3 et on attendait, on se faisait chier quoi. Alors là, ils viennent par 3, 6. Attention, ça va exploser par terre. Comme partout. Là, actuellement, dans le fight, t'as tout qui pète. Punaise, mais. Ils sont des milliers. C'est pas possible. Mais encore 3 là, faut protéger le porte, la porte là, ils sont en train de la pirater. Ah bon? Ouais, il y avait 4 mecs sur la porte, c'était n'importe quoi. Ah, j'aime pas, mais dit que je veux plus jamais jouer tank. Hein. Avoir un gros flash vert là sur ma tronche, c'est horrible. Ah, c'est vrai que c'est super gênant au niveau. Les gars, là, c'est tellement large leur truc là. Ah, je suis d'accord. Arcanero, c'est plus discret. Ah, mec, complètement quoi. Tu vois, regarde, moi mon heal quand je te le fais. Contacté, ouais, machin. Ça fait ça moi quand je te heal. Voilà. Ouais, ça va. On voit que dalle. Ah bon, bah on a réussi. J'ai cru qu'on allait pas s'en sortir là. C'est un peu chaud. Putain, je n'ose même pas faire l'instance niveau 20 avec ce groupe. Après, y a pas moyen que tu vires. Que tu vires les effets de sort des autres classes. Mais je sais pas, je crois pas justement. On peut. Il doit y avoir des add-ons pour ça. Parce que moi j'aimerais bien virer justement le visuel des soins alliés quoi. Ouais, ça déjà. Bah, juste laisser le télégraphe en fait. C'est ce que j'avais dit, tu te rappelles, c'est ce que j'avais dit lors de l'interview que vous m'avez interviewé. Le fait de réduire ou d'avoir un truc qui puisse diminuer les sorts alliés parce que parfois ça vous flash la tronche, c'est pas cool. Ouais, non, mais j'ai level up mine de rien. Et je suis passé à niveau 15. Bah non, ça c'était déjà la dernière fois ça. Ah alors ce boss il est chiant. Alors je vais te laisser découvrir pourquoi. On a été un vaisseau de transport grâce à la télékinésie et il s'efforce à présent de le faire atterrir. Ok. Ah, je te laisse découvrir en quoi c'est super chiant. C'est sympa ça. Oh j'aime bien. Wouah. Have fun. Ah c'est stylé. Et tu peux sauter au-dessus. J'y vais. Ah bah non, je passe pas. on va passer un. Putain, je me suis pas. C'est relou. Alors là, on passe vite parce qu'on a compris. Enfin, on sait comment ça se passe avec Sansu et les autres, peut-être. Mais la première fois qu'on l'a fait, on a laissé 5 minutes à se manger des murs. Ouais. C'est bon. Non. Ouais, mais je prends trop. Non, mais cher. Tu peux sauter au-dessus. Hein. Eh, je saute avec quoi? Attends, ah, tu sautes mourir, là. Tu sautes avec espace. Je suis bleu. C'est dur. C'est dur. Hein. Ah, ils t'ont fait tomber? Ouais, j'ai été rampé par ma faute. Bon, essaye, y'a le boss. Y'a le boss, ça moi. Au secours, lâche-moi ça. C'est bon. Oh la vache. Mais je vais encore mourir, quoi. Il galère. Je vois pas de mais... il galère à mort, quoi. Attends, je te heal. Non! Il galère à mort! Non mais. Lâche l'aggro! Non, lâche Missa! Mais. C'est bon, il m'a toujours en aggro là ou je peux te soigner? Je peux pas. Oh les télégraphes, laisse tomber! Ça a l'air trop stylé en tout cas. Mais ouais, mais j'aimerais bien être tenu en vie. Attends. Ah! Allez, là je peux te réa. Ah non, je peux pas là. Ah non, je peux pas te réa. En fait, quand on est en combat, on peut pas. Bon bah, il spawn, hein, il revient. Hein. Bah je peux pas là, c'est j'ai juste quitté l'instance quoi. Ah merde, ah oui c'est vrai. Oh punaise, faut peut-être que je le soigne mon pote là. Merde, je l'ai pas. Ah ouais mais il fait des dégâts là, regarde il fait des dégâts. Ah il a tué notre pote heal, Qu'est-ce qu'il fout Gear? Il est en train de faire des dégâts sur le boss quoi. Bah ouais mais... Oh punaise, le télégraphe.
Ah, tout le monde est mort sauf nous deux là. Eh oui, mais oh punaise, il m'a soulevé. Xel, j'ai peur. Alpha, tu vas crever. Ouais, génial. Non, non. Tu vas mourir, Alpha. Il va t'absorber ton âme. Non. Non. Mais regarde, il viendra pas te heal, quoi. Mais ouais, allez, heal-moi. Oh la vache, les dégâts. Heal-moi. Heal-moi. Heal-moi, Véro. Mais heal-moi. Mais heal-moi, sans déconner. T'es tout bim ou t'es pas tout bim? Ah! Ah la vache! Allez! Ah, je vais mourir! Oh non, on va pas recommencer depuis le début quand même! Non, je pense pas, je pense que. Quoique, non, je pense pas. Ah, ressuscité à l'Holocrypt. Faut que tout le monde le wipe en fait, c'est ça? J'ai l'impression ouais, que là, c'est ça. Ouais, là on peut ressusciter là. Ok, d'accord. Bon, on n'avait pas wipe nous la première fois. Merde. Mais t'as combien de heal, Gear? Attends, mais je vais passer heal moi parce que on n'a pas assez de heal, je crois. Je te vois trop souvent taper le boss. Rafale de vitalité, c'est bien. Ah, ok. En fait, y a besoin de taper pour régénérer les cubes. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est comme ça que ça marche. C'est bon là? Ouais, j'ai jamais fait comme ça. Bah, en fait, la première fois que j'ai fait l'aventure, j'ai pas du tout fait ce chemin. Donc là, je découvre aussi ce boss. Donc, tant mieux. Voilà, j'y vais tranquille. Non, mais déjà, si. Voilà, si vous me laissez pas gros. Ah, mais vous êtes déjà en combat? Punaise, j'ai pas eu le temps de refaire mon archétype pour le heal. Bon, c'est pas grave. Non, bah là, ça va aller. Là, ouais, je suis sûr. Moi je suis en heal sur toi là. Si suffit de pas bouger, par contre, tombe pas. Hein. Oh, the fuck, je bouge pas, il me balade. Je bouge pas. Ouais, je te heal. Moi. Je suis à fond sur toi en heal. Oh, on va le battre easy là. Bon, en même temps, heureusement, c'est un des premiers boss du jeu quand même. C'est déjà bien ridiculisé. C'est stylé les télégraphes. Par contre, je comprends pas. J'ai augmenté leur opacité. Hein. Je vois pas trop quoi. Ah, c'est moi qui l'a chopé là. Ça va aller, ça va aller. Ah, je peux pas te heal en l'air. Oh la feinte! J'ai quitté son truc. D'accord, je pouvais pas le sauver. Ah. Putain, il m'a bloqué derrière les caisses, vous êtes sérieux, le glitch, je peux pas sortir. Non mais ça va, je te heal, t'inquiète pas, on va le tuer. Genre le truc jusqu'au bout, ils vont me faire glitcher. Guy, regarde, il est là-bas, il est coincé. Ouais. Bon, finalement, on avait un truc... Fusil lourd. Un truc d'ingé, ça. Ils vont être contents, les ingés. Ouais. Oh non, moi, c'est pour ça que je prends plus d'ingé. Il m'a jeté de l'arène. Ah là là. Jeté. Sac de génialitude. Sphère de confinement Eldan. Ah bah je l'ai eu. Ah, fin de la quête. C'est une simulation les gars, nous ne sommes même pas en plus dans le truc quoi. Ouais. La cata. Sac de récompense, sac de récompense. Niveau 18, d'accord. Ah, et ça file quand même deux sacs de 8 emplacements, hein. Pas dégueu ça. L'émeute sidérale. 3ème en soins, 4 en dégâts et 5ème toujours en vie. J'ai des récompenses de bronze. Ok, autant dire que j'ai été pourri. J'ai été complètement naze. Bon. Moins. Pas mal. Bon, j'espère que ça va me rendre ma quête du coup. Hein, parce que j'avais pas fait la quête la première fois. J'espère que tu l'as prise aussi, parce que sinon tu l'auras pas de validé. Ouais, je l'ai fait la quête. Ok, là je ressors. Et pendant ce temps-là, le Brésil est en train de perdre 1-0. Oh là là, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Oh, je suis tellement déçu. Oh, le foot, ça m'intéresse tellement. Je vois. Allez voir le gardien. Ah d'accord, je dois y retourner.
Bon. Gardien de but. Ah, ah, quel embour. Quel embour. J'aime l'humour. Bon, et eh bien voilà, en tout cas pour cette vidéo, parce que j'ai oublié que j'étais en plein record, tu sais. C'est vrai que t'es en plein record. Tu sais que voilà. T'es en plein record. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée. Toi aussi, Alpha. Moi, je vais stopper parce qu'il fait juste 45 degrés dans ma chambre. Ah, c'est dur, ça. Donc là, je vais stopper un petit peu mon PC. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous donne rendez-vous sur mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne de Alpha si vous aimez Star Citizen. Lui aussi, il fait des vidéos où il râle pas au moins. Ah, si, je râle des fois. Mais non, oui, il faut râler. Mais oui, mais il faut dire ce qu'on pense. Sur le jeu. Mais non, mais... c'est une critique. Ah, par contre, sur ta vidéo Star Citizen, tu craches sur des trucs qui ne prêtent pas à être crachés dessus des fois. C'est vrai. Mais sinon, c'est ton bon, avis. On va couper là tout de suite. Non, non, mais t'as raison de donner ton avis. Oui, mais faut mieux le faire en pré-alpha qu'une fois le jeu sorti. Quoi. Bah... S'il y a des choses bah justement, je pense que là-dessus... C'est, ça se discute, tu vois, parce que du coup... Ouais, mais justement, il faut qu'ils trouvent un moyen pour que tout le monde soit content. Ouais, si c'est pour dans l'optique de donner feedback, ouais, c'est clair. Ben oui. Bon, et eh bien, voilà, ce coup-ci, on vous laisse, nous, on va... Surtout moi, je vais déconnecter un petit peu. Et puis, encore une fois, bonne soirée, bonne journée à tous, et à la prochaine. Salut, Alpha. Salut, et bisous. Ciao. Salut.